Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble la deuxième map du DLC Infinite Warfare, j'ai nommé Continuum. Cette map du nom d'Archive va sortir très prochainement à l'occasion de ce DLC et j'avais envie de vous partager un petit peu un premier visuel. Donc comme vous le savez, je me suis rendue récemment à Londres afin de découvrir le DLC qui sortira, je le rappelle, le 18 avril et je vais vous faire une rapide remise en contexte avant que ça s'enflamme dans les commentaires. Je tiens à rappeler que je ne suis pas une pro du multi, donc que mon but c'est vraiment essentiellement de vous présenter une nouvelle carte, son allure, son apparence et non de vous démontrer mes exploits qui seront limités parce que déjà dans un premier temps, mes collègues youtubeurs et moi devions jouer contre des bots lors de l'événement, donc c'est vrai que ça a largement restreint le gameplay. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette map Archive et on se retrouve cette fois-ci dans une galerie d'art post-futuriste avec des combats assez rapprochés puisque les lieux vont être très confinés, mais qui vont cependant contraster littéralement avec les champs de bataille qui vont se situer sur les côtés en extérieur. Donc côté structure, vous l'aurez compris, la map risque fort bien de vous plaire si vous êtes un amateur du côté e-sport du mode multi de Call of, puisque vous allez retrouver trois axes majeurs propres aux structures classiques des maps Call of Duty, avec des longs couloirs assez sympas pour nos amis snipers. Alors côté graphisme, des décors modernes, assez épurés, assez cubiques, alors ce ne sont pas personnellement les décors que je préfère, je trouve que ça manque un petit peu du caractère des maps à l'ancienne, mais je sais que beaucoup de joueurs de la nouvelle génération apprécient énormément ces décors futuristes. Alors n'oubliez pas aussi que le contexte veut ça, puisque je le rappelle, nous sommes dans une galerie d'art comme expliqué au début de cette vidéo. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même et je vous donne quant à moi rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour découvrir une nouvelle map, la troisième map de ce prochain DLC Continuum, dont je vous rappelle le rendez-vous sorti le 18 avril. Profitez bien, geekez bien et à très bientôt! Drone support is active. Hardpoint contested. Your teammate called in Scorchers. Hardpoint. Hardpoint contested. Hardpoint contested. The enemy has the hardpoint. We've captured the hardpoint. Hardpoint contested. Hardpoint contested. The enemy has the hardpoint. We've captured the hardpoint. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Friendly drone support is active. Friendly warden providing close air support. Your teammate called in Scorchers. Soldier, get a move on to the next one. Active. Hardpoint contested.
Check your data. New hardpoint location set. The enemy has the hardpoint. Captured the hardpoint. Support is active. Friendly Warden providing close air support. Done.